Ladies and gentlemen, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'archivant, j'espère que vous allez bien. Je suis caché, c'est normal, pas d'inquiétude, tour de magie, tadin, et voilà, c'est moi. Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Momomomoduction. Je suis en compagnie de Gigic. Bonsoir Gigic. Ouais, in the place. In the place. Non, c'est parce qu'il y a eu Delta Ghost qui a donné 3000 Sainte-Mante avec la musique. Alors du coup, j'étais en mode, oui, bonsoir Gigic, c'est l'ambiance. J'étais en mode, hey, let's go. Mais c'est vrai que vous entendez pas la musique, c'est pour ça. Du coup, ça doit vous faire bizarre. En fait, vous entendez juste... Sinon, on t'entend d'où. Ça fait que ça, en fait. Eux, ils sont là en mode, cinglés. On a Pégase avec nous. Salut. Et nous avons également Caillou. Non, c'est pas vrai, je n'avais vu, j'étais au cinéma. Alors non, parce que en fait, j'ai plein de choses qui s'emboîtent très mal. C'est-à-dire... Donc là, je me lève très tôt. Demain, je me lève très tôt parce que je suis une répète de musique. Je dis bon, ok, puis après, c'est terminé. Je suis invité à des repas de famille. Donc, il y a des repas de famille le midi, tout ça. Donc, répète de musique le soir, repas le lendemain. Je me relève très tôt, repas, machin, tournage RTBF. Lundi, je me suis dit, bon, mon lundi va être tranquille. Lundi, mon propriétaire m'envoie un message. 8h30, je viens chez vous et on attaque les travaux pour la salle de bain. Donc là, j'ai plus de douche en plus. À partir de lundi, j'ai plus de douche. Donc là, j'étais en mode... Attends, tu sais ce qui me fait le plus chier? Bah, c'est le cas de le dire. C'est que les toilettes sont dans la salle de bain. Oh la vache, ah oui. Alors, on va avoir Thierry, qui va être là de 8h30 jusqu'à je sais pas quelle heure, 18h. Je fais comment pour aller chier tranquille? La litière dans le jardin. Mais ça veut dire que... Non, parce que là, j'ai prévu déjà de prendre... On a prévu de prendre notre douche du coup à 7h du mat. Pour... Enfin, 7h30, tu vois, pour... juste avant que le gars arrive et puis qu'on ait le temps de... Voilà, de nettoyer un peu le truc parce qu'il va refaire la douche. Donc, je vais pas lui laisser un truc plein d'eau et tout. Mais bon, après, on a une entente avec le voisin. Va falloir qu'on a... Là, on a le voisin de l'autre côté, d'en face de chez nous, pour aller lui faire... Ouais. Là, j'aime pas, là. Parce que je pense qu'il y en a pour une semaine. Et si ça se passe pas bien... 15 jours. Et 15 jours, c'est long, hein. C'est très long, hein. Pour aller pisser, c'est pas grave. Parce que bon, le gars, tu l'interromps, tu lui dis oui, excusez-moi, je peux aller pisser vite fait. Bon, t'y vas, il te laisse faire, et puis voilà, quoi. Non, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ma salle de bain toilette, encore une fois, elle est collée au couloir d'entrée principale de l'appartement. Et il est possible que le mec défonce le mur et qu'on voit les gens qui passent. Donc si à un moment tu veux aller pisser ou chier, que tu n'as pas le choix, que personne d'autre n'est disponible dans sur terre et que tu dois y aller, et que le moment où tu descends ton froc, il y a ton voisin de l'étage qui rentre du travail. Bonjour. Et ben t'es en accès direct avec les voisins, quoi. Tu peux leur dire bonjour tout en posant ta pêche, et ça c'est formidable. Faudrait arrêter les travaux de 3 heures, j'ai l'enfer à libérer là. Non mais. Donc oui. Ah ma tronche. Non mais. Bref, voilà, c'est l'histoire de ce qui va se passer là. Et donc je vais être très fatigué. Et c'est une semaine où je ne risque pas de récupérer. Mais bon, bref, voilà. Le live de ce soir donc sera aussi un peu court. Parce que ça va être que des moments où on va devoir se lever à des heures pas possibles. Possible que je retarde mes lives parce que mon voisin, il veut bien nous prêter sa douche. Mais sa douche, il va nous la prêter quand il termine. Et quand il termine, il est 21h. Donc si je prends ma douche, ce sera sûrement 21h. Donc voilà. Et puis clairement, bon. Allez, je peux me passer d'une douche une fois parce qu'en ce moment on est en hiver, mais voilà quoi, sinon c'est pas plus quoi, donc forcément il y aura des priorités. Donc sur mes horaires de la semaine prochaine, ça va être un peu chaotique. Mais quand je dis chaotique, ce sera comme d'habitude, hein, mais juste je serai fatigué, je pense que je serai pas mal fatigué. Fou, en plus le samedi d'après, donc j'ai mon concert, donc je serai en parfaite condition, mon dieu. C'est-à-dire que samedi, alors soit ils ont réparé la douche et c'est formidable, soit non, et donc du coup je pars en concert avec une tête, mais comme une pastèque, quoi. On a un objectif assez précis la dernière fois, on avait été chercher les yeux, il en manquait un. Et vous vous rappelez, j'avais dit oui, alors on va chercher soit dans un temple du désert, soit dans un temple de jungle. J'ai dit à Caillou, ouais, tente pour voir, et du coup il a pris son compas, il est parti chercher un temple de jungle, ça tombe bien, il a trouvé un œil. Donc
C'est ça, hein, je me suis pas trompé, hein, Caillou. Je l'ai pas ramené, mais j'ai mis le marqueur, on peut y aller. D'accord, donc voilà. Alors, il y a une. J'ai cru que aujourd'hui je voulais vous annoncer une super nouvelle. J'allais vous dire, hé, il n'y aura pas besoin de mettre à jour le serveur. Aujourd'hui même, ils ont fait une mise à jour, ce bâtard. Alors, je me suis dit, ça va être la première fois qu'il n'y a pas besoin de mettre à jour et qu'on sera à jour. Ben non, ils en ont fait une. Et en plus, cette mise à jour, parce que vous savez que Gigi, que l'autre fois, c'était plein de chutes de FPS, etc. Parce qu'en fait, cette version est un peu obsolète sur certains modes, il y a des modes qui foutent le bordel et le 2.5.6 est un correctif qui permet de récupérer pour certains jusqu'à 50 FPS, ce qui pourra sauver Gigic, donc il faudra absolument qu'on fasse d'urgence la mise à jour pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois ce sera la... Oh je sais plus combien on est, mais c'est la version d'après, la 2.5.6 je crois, on est en... Non je sais plus, 2.6.5, bref. Ouais, 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 non. 2.6.6, je crois. Oh, je sais plus. Oui, 2.6.6, voilà. Je sais plus, je suis perdu, il y en a trop. À chaque live, de toute façon, ils me demandent des nouvelles mises à jour. Je sais plus, moi, tu es comme ça. On te fait agresser, là, aussi. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé... J'en ai parlé dans les vidéos, normalement, vous avez vu, d'un électrique mixeur. Pourquoi je veux faire cet électrique mixeur? Merci au Calabest. Il va servir notamment à dupliquer de la netherite. Donc ça, c'est très bien. Mais pour ça, il faut faire plein de choses. Il faut faire plein de choses, il faut passer par plein d'étapes. Donc, départ d'étape. Le départ d'étape, c'est... Il nous faut du style. On a besoin de style, on manque de style. Il faut se mettre à la mode. Et donc, bah, la première chose, en fait... Alors ça, je l'ai testé tout seul, ici. Parce qu'en fait, j'ai regardé, quand tu fais cuire du fer, tu obtiens du refine ingot. Mais quand tu le fais dans le Blast Furnace, tu peux choisir entre les deux crafts. Donc ça, c'est très bien pour avoir du style, parce que du coup, il y a vraiment pas besoin de faire grand-chose. C'est-à-dire, vous le mettez ici, et vous... En fait, pendant que ça cuit, il faut cliquer, et en fait, on choisit Refine ou Style. Voilà, donc là, je choisis Style. Et à partir de là, on peut avoir déjà de l'acier. Bon, que les gens m'en avaient déjà parlé dans le live, hein. C'était pas une nouvelle. Mais voilà, en tout cas... En tout cas, pour ça, donc ça tourne. On est en mode, ok, super. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors, moi, il y a un truc que je veux faire, c'est une Steam Query. Voilà, une query moins chère, qui est faite à base de style. Voilà, c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de style, parce qu'on a besoin de la query. La query, c'est un bloc multistructure, et on y mettra une foreuse dedans, hein, voilà, pour avoir justement tout ça. Donc, il faut du Steel Machine Casing, du Steel Pipe Machine Casing, des chaînes, etc., la Steam Query. Et donc, voilà, on va pouvoir miner automatiquement les choses avec ça. Donc, voilà, donc ça. Mais, il y avait encore autre chose dont on avait besoin, c'est le style Wiremill. Le style Wiremill, il est fait à base de style, c'est pour ça qu'on en a besoin, et de bronze. Alors, pour le bronze, on a découvert que... Parce qu'avant, je faisais de la mini-poudre, c'était extrêmement chiant, mais en fait, on peut faire de la poudre grâce au pulvériseur. Le pulvériseur qui se trouve à l'étage. Oh, bah tiens, t'as changé un peu... La disposition, c'est beau. Ouais, ça marche pas super bien en fait. Donc, j'essaie de trouver une nouvelle configuration. T'essaies de remixer un petit peu. Donc là, il y a du boiler, etc. Et donc, on a le pulvériseur qu'on avait déjà fait ici. Ce pulvériseur permet de pulvériser donc, le minerai, de bronze, enfin de copper et de tin pour en obtenir des poudres. Et au lieu d'avoir des mini-poudres, on peut en obtenir des poudres. Donc c'est très bien pour obtenir du bronze. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième chose, j'ai demandé à Peg de nous faire un alloy smelter. Parce que l'alloy smelter, il a plusieurs propriétés. Déjà, la première, c'est par exemple, il évite d'utiliser le pulvériseur. Et on peut y mettre directement le lingot de copper et le lingot de tin pour obtenir du bronze. En plus, il est pas cher. L'alloy smelter, c'est fait à base de fer, basiquement. Regardez, alloy smelter, donc, de Tech Reborn. Donc, c'est deux iron furnace avec donc, du refine. Le refine, hein, c'est juste du fer dans un four. Hein. Vous l'avez vu, donc c'est pas cher. Et en fait, c'est un four avec du fer. Voilà, donc c'est vraiment... C'est vraiment pas cher, et donc, on peut avoir l'alloy smelter comme ceci ensuite qui est mixé iron alloy smelter avec un electric furnace, donc c'est de l'iron furnace avec un electric circuit, c'est du câble, voilà, là-dessus, avec un peu de rubber et du copper, c'est relativement tranquille. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on obtient donc, je vous rappelle, la possibilité d'avoir de la netherite un peu moins chère, même si c'est pas autant que ce qu'on voudrait dans l'électrique mixeur, mais c'est déjà pas mal, hein, puisque pour 10-10, on en obtient 3. Donc on fait une petite économie. On va pouvoir obtenir l'Invar. Invar qui sera un matériau également nécessaire pour la suite de nos aventures, encore une fois. Parce qu'il faut de l'Invar aussi pour, eh bien, la quarry ou la wiremill. Je sais plus laquelle en a besoin, mais elle en a besoin. Donc du coup, il est nécessaire également. On peut faire de l'électrum, voilà, le fameux bronze, et aussi du brass pour create. Donc, dans tous les cas, l'alloy smelter, c'est plutôt pratique. Je sais pas à quelle vitesse il va, mais oh putain, on peut donner un bloc, l'iron alloy furnace, tu peux le donner à un métallurgiste. Ok, intéressant.
Donc voilà pour les explications un peu chiantes, mais néanmoins nécessaires pour la compréhension de la suite de notre objectif côté machine. Même si ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. C'était juste pour vous montrer un petit peu les étapes qui sont réalisées par rapport à cela. Donc, Steam Query, Steel Wire Mill et Electric Mixer sont les trois choses que l'on veut absolument faire. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le Steel Wire Mill, c'est juste un truc. Alors, à quoi il sert, lui? À faire ça, en fait. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est un des composants de la Steam Query et on en a besoin. Voilà. Il y aura d'autres étapes, mais pour l'instant, voilà, c'est surtout parce que la Wire Mill, en fait, il n'y a pas d'autres machines qui peuvent la remplacer. Elle fait ce putain de fil de cuivre. Donc, voilà. Nous, on va faire un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible. Aujourd'hui, on va fumer l'Ender Dragon. Voilà, c'est facile, ça. Hein? Voilà. Hein? On va chercher le dernier œil, mais on sait où il est. Ender Dragon. Et bien, on peut avoir la version espagnole maintenant. Ma que fi, porque fi Ender Dragon, voilà. Matar el Ender Dragon. Putain, c'est dur à dire Ender Dragon avec l'accent Ender Dragon. En plus, c'est vrai. Comment ils disent Ender Dragon en espagnol? Il y a les temples et jungles dedans et je sais plus dans quel sens. Parce qu'il y a, en plus, il y en a trois. Mais oui, c'est ça, moi je te dis, j'ai fait au moins 5 structures avant de trouver celui où il y avait l'œil, c'est chiant. Putain! Ouais, bon bah je t'attends alors. Exactement, je suis sur le retour, je suis dans les mines de la Moria. Reviens, Caillou, reviens! Ouais, reviens parmi les miens. Hein. Caillou, reviens parmi les tiens. Dépêche-toi avant que je pète les plombs. Ah bah c'est trop tard du coup. Je trouve que Dark fatigué change pas trop par rapport au live Phasmo. Ah ouais mais Phasmo c'est normal parce que Phasmo en fait je suis tout le temps fatigué. Phasmo c'est le dimanche soir et en fait je tourne l'après-midi. Les live fatigue. Phasmophobia en fait c'est le moment où j'ai fait... Généralement je dois faire le planning, monter des vidéos, faire un tournage pour la RTBF. Donc souvent je suis crevé parce qu'en plus je fais de la maternelle pour les gosses, c'est terrible. Et ensuite, une fois que c'est fini le tournage, je fais des montages, des trucs, des machins, j'arrive le soir, le dimanche soir, comme je vous l'ai dit, c'est mon moment détente, mais c'est le moment où je suis complètement claqué. Hein. Donc ouais, le Phasmo dimanche, souvent, ou le dimanche en règle générale. Triste. Bah si, t'as généré le chemin, parce qu'à un moment, je devrais peut-être refaire de l'exploration. Ah putain, il y a des blocs d'émeraude et tu n'y as pas touché. Oh, le self... J'ai été gentil. Oh, le self-control, Caillou, il y a un bloc d'émeraude. Ouais, bah il y en a plein, il y en a pas qu'un, hein, je te jure, hein, j'en ai vu plein, j'étais en mode... Regarde. Alors attends, mais ouais, j'avoue, les temples ils sont grands, j'ai ouais. J'ai regardé et j'ai rien pris dedans, rien, que dalle. C'est des temples, ouais, c'est. Ouais, hein, c'est pas un vanilla, hein. Ouais, c'est des Young's Better Temple encore, ça. Je crois. C'est dans les distributeurs, il y a des trucs? Non, il y a rien. J'entends les oiseaux. Et du coup, c'est par là. Attention derrière toi. Ouais, non, les temples ils sont gigantesques. Alors. Je peux descendre par là. Tiens, j'ai vu qu'il y avait une table de transport Grification table. Alors, tu feras gaffe. Parce une que table de table. Ouais, d'ailleurs, je me suis pris des flèches dans le fiac. Ouais. C'est vrai que il est chiant ce mode deuil là. Il y a un autre mode pad qui m'intéresse, c'est pareil. Je regarde, je fais ah, trop bien. Je vois le truc avec Better End là. Et j'étais en mode non, mais enlever ce mode, c'est bon, on a compris là. T'as trois mode pack. Tous les mode pack maintenant ils prennent ce mode là. J'en peux plus les yeux là. Tu peux plus aller dans l'end tranquille. T'es obligé d'y aller pour 8 ans. Oh mon dieu, une tentative. Mais alors, ouais, comme c'est le hasard, toi t'auras un œil, mais moi, pas sûr, hein. Putain. Ouais, mais vu qu'il y avait pas qu'un seul coffre, normalement. Puis, si jamais, de toute façon, je suis avec toi, donc. Ouais. C'est pas petit, hein. C'est... Oh la vache. Ah, si, je l'ai. Rogue Eye. Ok, ah, super. Bah, c'est rapide. Bon, Command Broad. Ah, il y a des trucs intéressants dans un Copper Ring, tout ça. Ok. J'ai eu un œil rebelle et un lotus noir. Et les pattes de les pantoufles chatons. Oh, les pantoufles chatons. Kitty Slipper. Et elles font quoi? Bah, c'est pas ça qui vire les dégâts de chute là. Non, c'est les lapins. Regarde. Ah, c'est les creepers qui évitent le porteur. Ah, je fais fuir les creepers. Tu es un fuiteur de creepers. C'est pas un truc genre là, ici, il y a des plaques de pression. Ah, mais les creepers, c'est des têtes, t'as vu? J'avais pas fait gaffe. Ah ouais. Une espèce de statue. C'est deux points avec un smiley. Putain, je les avais pas vus au départ. Ouais, parce qu'en fait, en dessous, il y a les escaliers qui forment des bras. Ah ouais, ouais, incroyable. L'illusion est totale, elle est parfaite. Et en fait, ouais, c'est, à mon avis, c'est des pistons qui te poussent. Mais alors après, le truc, c'est que c'est du magma bloc, donc techniquement, c'est pas... Ouais, mais tu peux pas remonter. Ouais, mais moi, j'ai le double saut. Ouais, bah voilà, il triche. Bah là, regarde, j'ai même pas utilisé. Alors ? C'est honteux. De toute façon, si tu tombes, tu vas prendre 0,5 de dégâts. C'est mon tout. Oula. Alors là, par contre, peut-être de la lave en haut du couloir. Ou en dessous. Ouais, ou en dessous. En plus,
plus, on tourne en rond, là, on va rien avoir. Non, on tourne pas en rond. Ah ouais, on longe, tout va bien. Ah oui, d'accord. Non, tout va bien. Et ça redescend. Putain, mais il est immense, ce temple. Il est vraiment grand, le truc. Oh la vache. Oh, il y a un lit, ici. T'as vu, j'y ont pensé, en mode, repose-toi ici, parce que tu vas revenir souvent. Oh là. What? Oui. Ah, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Oh, il y a du parcours. Oh, c'est pour moi. Après, je triche. Après, je fais du double jump dedans. Oh, des templates. Jade upgrade. Oh. Ah, j'ai c'est... un autre œil de la langue. C'est bien, prends-en. À quoi ça sert? Ah, peut-être ici. Merde, je me suis propulsé, mais j'ai pas fait exprès. Ah, y'a. Yeah. Oh, je m'étais ambiancé, là. Ok, bah, je vois pas de porte, alors... Ah, tiens. Bah, y'a une porte. C'est un truc caché. Ouais, alors je l'ai pété. Bon, après, il n'y a pas de restriction ici. Il y a un piston coulant qui est un plein de 3D3. Et un piston coulant, ça veut dire que techniquement. Ouah, j'ai pris des dégâts. Et comment ça marche? Ah, mais c'est que des silverfish en dessous. Baston. Oh, le contenu de ce coffre est magique. T'as vu? Clique gauche sur le note block pour trigger s'il y a de la redstone derrière. Ah, tu crois que c'est ça qui a activé le piston? Allez, regarde. Ça a bougé. Ah. Ah, ça devait être ça. En fait, c'est juste que... En fait, je pense qu'il y en a un que je l'ai activé, mais l'autre, je l'avais pas activé, il fallait faire les deux. Et là, du coup, ça aura ouvert le truc. Effectivement. Eh bien, il est temps d'aller explorer. Alors, je peux prendre tout de suite les yeux, remarque, hein, comme ça. C'est bon. Donc, on est d'accord. Bon, j'espère que le compte est bon. Hein. On est d'accord sur un portail. À 12. Mais ça va pas du tout. Et 4 x 3, 12. Ah, mais ça va pas du tout. Ah, ça y est, il en manque. Bah oui, en fait, ça va pas du tout. J'ai mis 9 mois depuis le début. Ça va pas du tout. On est pas prêt pour affronter l'Ender Dragon. Ah, tu vois, j'ai mis 9 mois. C'est vraiment parce que personne ne m'a fait la réflexion d'Arc Yvan, il y a 12. Non, mais tu demandes pas. Tu vois, au moment où tu demandes, bah je te dis, non, c'est 12. Tiens, d'ailleurs, je me suis renseigné sur le mode des abeilles. Parce que j'étais un peu curieux, donc je suis allé voir un wiki un peu là sur la Bumble Zone. Il y a des trucs quand même super intéressants, du coup on y retournera, hein. Il y a un truc quand même... Alors avec la Witch, ça peut faire 10. Mais ça veut dire... Ah, on pourrait avoir l'exotique même si c'est chiant parce qu'il faut trouver des Nautilus. Ah mais il se craft l'Undead Eye, oui mais c'est ça, il faut un Undead Soul, et Undead Soul c'est des chevaux squelettiques. La magie du montage transformera les 9 yeux en 12. Ah bah non, la magie du montage va dire que je me rends compte que j'ai fait une connerie et qu'il va falloir qu'on aille les chercher. On n'a pas le choix, hein, quand même. Le Cryptic Eye, il a une chance d'être droppé si tu enchantes quelque chose, 1,2% de chance. Parce qu'en fait, idéalement pour nous, ce serait le Witch, l'exotique. Alors l'exotique, il nous faut du Nautilus Shell. Nautilus qui va permettre de faire ça pour faire un conduit. Il nous en faut 2, donc il nous faut... 16 Nautilus. Comment on obtient Nautilus? Avec du UU Matter. Fait chier. Putain, le UU Matter, c'est pas possible, c'est trop cher. D'accord. C'est quoi le truc le plus rapide? C'est la pêche ou faut buter du Drawdead? C'est quoi qui donne le plus? Exotique, c'est ça qu'il va nous falloir. Pour la sorcière, faut buter des sorcières jusqu'à ce qu'on trouve un œil de sorcière. Voilà. Donc ça, c'est facile. Et ensuite, sinon, à la place de l'exotique, il nous faudrait l'Evil. Evil Witch. Ah ben non, mais Evil Witch, il faut quand même un autre 1 de plus. Et il y a le. Ah ouais, putain. Ça reste les pires yeux après à faire. Tous les autres, on les a. Ah non, mais moi, je pensais qu'on était en vacances ce soir. Qu'on allait juste tabasser un mob. Mon plan tombe à l'eau. Arrêtez. Bon. Allô. Ce mode était bien une fois, mais on l'a fait 3 fois sur 3 modpacks consécutifs. J'ai envie de pleurer. Moi, je l'avais choisi à l'époque, j'étais content, tu vois. Mais là, maintenant, j'en peux plus, quoi. Dark Nautilus Shell dans les trésors des épaves de bateau. Ah. Ah. C'est plus intéressant ça, parce que les épaves de bâton, on en croise plus souvent. Ça, on peut en trouver, ouais. Bah, peut-être toi, essaye de trouver ça. Ouais, je suis déjà dans l'eau, donc je vais chercher des épaves. Et moi, j'appelle Norbert, mon Pokémon. Norbert, dernier ligne. Ah non, c'est pas ça. J'ai shift, failli crever. Norbert, reviens, Norbert! Oh putain, la faille! Ouais, j'étais pas loin. Ah oui, un bloc. Ah Norbert, non, mais tu casses les couilles Norbert! Norbert! Reviens! Norbert! Tu chies dans le pâté Norbert! Norbert, pourquoi tu vas dans le cognon? C'est bon, je vais. Une légendaire Diamond War Glaive!
Oh, c'est beau. J'en avais déjà une, mais celle-là est encore plus puissante. Je suppose que c'est vert. Non, orange. C'est mon arme qui ressemble à un espèce d'arc en diamant. Merde, merde, merde. Très pratique. Alors, patate. Ok. J'ai tué le creeper. Bon, je peux prendre son œuf, mais je suis un peu en mode OZEF. Allez, allez. 10%, putain, 10%. Ok, alors peut-être dans un mineshaft du désert. Ouais, c'est. C'est beau, ça brille. Block of topaz, de la topaz. Attends, t'as vu la topaz? La topaz. What the? Bizarre parce que la topaz c'est pas orange, mais bon. J'ai trouvé une canne à pêche avec moins 3 chances, tu veux que je te la ramène pour pêcher? À mon avis, t'auras des nautilus négatifs. Et à chaque fois que tu le pêcheras, il va t'enlever un nautilus. C'est ça. Non. Est-ce qu'il y a un œil? Est-ce qu'il y a un œil? C'est un œil? Non, il n'y a pas. Complètement bourré, lui. Il n'y a pas un œil. Putain, je suis full stuff. Mais pourquoi? Oh! J'ai cliqué, je vous jure, j'ai cliqué. Petite latence. À chaque fois, j'ai un petit coup de pression en mode. Mais non. À chaque fois que je trouve un coffre, je suis en mode. Je suis trop content, mais je trouve pas. Putain! Pour les yeux, le plus galère à choper qui est un craft. Non mais. C'est des trucs qui en plus qui te forcent. Alors ils sont là en mode oui, ça force l'exploration. Mais les gars, ils ont fait un modpack avec 400 mods. Ils ont pas réfléchi 3 secondes en mode ah oui, c'est vrai que peut-être il y a des problèmes de génération et que les joueurs ils peuvent pas faire forcément 10 000 blocs. Ils peuvent pas générer normalement 15 000 mètres carrés pour un truc. Vous savez, ils sont en mode oh, mais j'ai une 4080 moi, c'est ok. Non, ils pensent pas aux streamers. On casse les couilles! Oui, ça aurait dû être du gameplay! Et t'as pas pensé qu'il y avait 1000 modpacks qui avaient exactement le même mod? Comme Twilight Forest, où les mecs se sont dit que c'était super original d'avoir une dimension avec une forêt que tout le monde a vue? Bah non! Ils sont cons! Pardon, j'ai loupé la trappe. Y'a une trappe? Il est complètement craqué. C'est quoi 10 000 blocs, c'est rien? Mais 10 000 blocs, c'est rien quand ça génère bien! Mec, 400 mods quand même sur serveur avec des gens? C'est déjà pas mal, ça se tourne pas si mal, je trouve, mais. Attends qu'on bouge pas, ça tourne pas si mal. Oui, une trappe. Oh! Une trappe avec des araignées. Mais dis donc. Mes coupeaux. Nous aurais-tu pas amené vers la victoire? Peut-être. Wata! Bonjour, monsieur Trident. Allez. J'ai 2 coffres, là. Bien vu, coupeau, bien vu. Je l'avais pas vu. Allez, on y croit, mais je crois pas parce que je crois que je suis pas au bon endroit, mais bon, c'est pas grave, on va quand même. Ah, il me donne des Lost Eye. Le Lost Eye, c'est quoi ça? Markeven a réalisé le progrès, obtenez votre premier œil égaré. On l'avait pas? Bah, faut croire que non, puisque si t'as eu un succès. Ah, ok, ok. Bon, bah, écoutez, c'est effectivement une semi-victoire, comme vous dites, puisque on a eu un œil là où on ne s'y attendait pas. C'est formidable. Là où on. Mais en plus, c'est pareil, il pop dans des endroits, c'est absolument improbable. C'est comme le Cold Eye. Le Cold Eye, on l'a pas eu dans un truc d'igloo, on l'a eu encore dans un donjon là où je suis passé et j'ai fait. Ah, d'accord. Donc c'est une victoire. Je repars. Mais alors, par contre, le. Plus que deux. Alors, plus que deux. Ah, mais il faut que j'aille choper des witches. La magie des witches!